Madame, monsieur et mademoiselle, désormais UK et la RDC sont des pays voisins. Comment est-ce possible? L'agence Zexfret le rend possible car chaque mois, Zexfret vous fait des conteneurs de vos colis, marchandises, véhicules et divers. Et chaque semaine envoie les colis par avion et plus encore. Chaque jour, vous pouvez faire un transfert d'argent vers la RDC en quelques minutes grâce à Zexfret. Alors, comment faire pour contacter Zexfret? C'est simple. Visitez notre site web en ligne 24h sur 24 sur www.zexfret.com ou appelez le service client au numéro de téléphone 074 2400 4550 du lundi au samedi de 9h à 22h. Car Zexfret parle toutes les 4 langues nationales du Congo plus le français et l'anglais. Alors, bienvenue à votre agence qui vous rapproche du Congo en un clic. Zexfret, Beyond Satisfaction. Vous bénissez richement. C'est une grâce de pouvoir encore être compté parmi les vivants. Aujourd'hui, nous sommes lundi. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, pour cette édition spéciale de Poteau d'attache, je reçois pour vous une invitée sur le plateau de votre émission. Et nous allons partager ensemble son témoignage et nous verrons comment le Seigneur Jésus-Christ l'a aidé dans le monde du travail. Sœur Gracie, que le Seigneur te bénisse richement. Amen, ma sœur. Alors, en quelques mots, peux-tu te présenter au public qui te regarde aujourd'hui dans l'édition spéciale de Poteau d'attache, l'émission témoignage? D'accord. Alors, shalom, peuple de Dieu. Je suis la sœur Gracie Mondilou. Je viens vous présenter, vous partager avec vous ce petit quelque chose que le Seigneur a fait dans notre vie aujourd'hui. Et la sœur Gracie commune dans quelle église? Je communie dans l'église du pasteur Mavungu, Pyrviance, à Zoé Tabernacle, France. Alors aujourd'hui, comme tu connais le principe un peu de l'émission, c'est vraiment une émission qui a pour but d'édifier le peuple de Dieu qui nous regarde en ce moment au travers des témoignages, parce que je crois de tout mon cœur que les témoignages fortifient la foi et nous encouragent pour la marche. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais partager avec le peuple de Dieu et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie dans le cadre professionnel? Je vais vous raconter un petit témoignage, enfin, ça va être des successions de petits témoignages dans le monde du travail. Une fois j'étais encore étudiante à l'époque et j'avais des problèmes de payer, de régler mes loyers. J'ai prié, je me suis agenouillée, j'ai dit à Dieu que je recherchais du boulot parce qu'il fallait payer le loyer, comme tu dis. Et juste deux jours, trois jours après, il y a un frère qui m'a appelé. Non, c'est pas un frère, c'est un ami qui m'a appelé pour me dire qu'on recherchait des femmes de chambre. Moi, ça, j'avais jamais fait. Mais bon, comme j'étais dans le besoin, j'ai dit, OK, y a pas de souci. Je suis partie le premier jour. On a travaillé de 9h à 16h. Et on avait fait. Alors, l'hôtel là où je travaillais, c'était un hôtel familial, on va dire. D'accord. Les chambres, c'était pas comme des chambres individuelles. Il y avait vraiment des chambres collectives. Et dans une chambre, vous pouvez avoir 4 à 5 lits. D'accord. Et ce jour-là, nous avons fait 22 chambres. 22 chambres. Donc, si en sachant que tu n'avais jamais fait ce métier. Je n'avais jamais fait ce métier. Et en sachant que dans une chambre, il y avait au moins 4 à 5 lits. Donc, s'il faut faire la règle de 3, combien de lits j'ai fait ce jour-là? C'est vrai. Ma sœur Anna, sans te cacher, je suis sortie de cette journée. J'étais morte. Brisée. J'étais brisée. Parce qu'il y avait le stress derrière. Il y avait la gouverneure qui venait vous dire « Ah mais dans la chambre 8, j'ai fait des cheveux, il faut repartir. » Et moi, je prends encore l'aspirateur. Donc, je suis sortie de là, j'ai dit « Mais dans quoi je suis tombée ?» Dans quoi je suis tombée? Je suis rentrée chez moi le soir, je me suis agenouillée. J'ai dit à Dieu, j'ai dit « Seigneur, je suis ta fille. Et tu sais à quel point, avec les faibles moyens que tu me donnes, j'ai toujours pris position pour toi. » Je lui ai dit, si c'est seulement ça que tu m'as donné, tu as vu que, comme on travaille que tu m'as donné là, demain, je n'irai pas travailler. Si c'est la même chose demain,
crois-moi, le lendemain, c'est toi qui descendras, qui partiras à travailler. En fait, par ce témoignage, j'ai compris qu'il y a des choses que nous devons refuser, Sarah. Tu étais poussée à bout. J'étais poussée à bout. J'ai dit, je suis une fille de Dieu. Comment je peux... Je peux autant me jeter comme ce travail. Te détruire pour avoir du pain. Oui. Du pain. Au fait, à ce moment-là, tu t'es dit, mais mon père peut me donner plus. Mieux. Pourquoi mieux. Pourquoi ça j'ai dit, non, en tant que fille de Dieu, je méritais mieux. Ça, j'ai rencontré des mamans qui me disaient qu'ils travaillaient avec des ceintures parce que ça leur a détruit le dos. Ça. Et moi, je me disais, mais mince. Et n'oublions pas que tu avais une formation. Tout à fait. Une formation qui, normalement, pouvait te propulser vers d'autres métiers. Bien donc sûr. Là, c'était un métier que tu as fait parce que tu avais besoin de manger. Et comment Jésus-Christ a répondu à ta prière, Sœur Gracie? Alors, je me suis agenouillée, j'ai rappelé à Dieu à quel point j'étais sa fille et que j'avais foi en lui. Et que demain, je vais repartir au boulot. Mais si c'est la même chose, je arrêterai et que en plus me mettre dehors. Si c'est sa volonté, je resterai dehors pour vivre dans les gares. Quel que soit ce que ça se passera, j'accepterai cela. Mais je refuse de continuer de travailler dans cet endroit. Le lendemain, je suis repartie, Sarana, Dieu écoute nos prières. Il y a des choses en fait que nous acceptons parce que nous n'avons pas la foi, parce que nous pensons que bon, c'est normal, que bon, c'est la volonté de Dieu. Non. Il y a des choses, au travers de ce témoignage, il y a des choses que nous acceptons, nous subissons en fait. Alors que par contentement, on se dit c'est la volonté de Dieu, que bon, que j'ai ce travail. C'est déjà mieux que rien, les autres n'ont même pas quelque chose. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons aspirer au meilleur. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a promis des choses. Frère Branham me dit que l'Église vit en dessous de ses privilèges. Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas concevoir, je suis ta fille. Dans ce monde difficile, dans ce monde perverti, je fais de mon mieux de vivre la parole et je vais me casser le dos pour ce jour de travail parce qu'il faut que j'achète du pain. Mais ce qui a dit que le juste ne mangera pas son pain. Où est ce Dieu-là? Sarana, le jour-là, je me bats. J'étais poussée à bout. Non, j'ai dit, c'est pas possible. Poussée parce que vous savez, quand on est étudiante oui. et qu'on a des problèmes financiers, ce n'est pas facile. Tu et peux... je pense qu'il y a beaucoup de jeunes étudiants qui nous regardent en ce moment et qui sont en ce moment même dans ces difficultés avec le temps difficile dans mais lequel nous sommes. Mais tu lis plus, oui. ta tête est ailleurs, oui. tu vas tenir l'ordi, tu vas commencer à lire, puis tu vas te souvenir, hey, peut-être que demain, la bailleur, elle va venir, la bailleuresse, elle va venir, elle va me demander, tu vas comme, hey, peut-être demain. Sarana, j'ai eu à faire une semaine, je mangeais du pain de mie et de lait. Pain de mie, mais je grossissais bizarrement. C'est tellement dur. Je me suis dit, non, Seigneur, c'est pas possible. Mm. Et comme je disais que Dieu entend les prières, le lendemain, je suis partie au travail, je suis tombée sur une maman. La maman, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais ma fille, tu es jeune, qu'est-ce que tu fais ici? Ce travail, ça casse le dos, moi, je ne vais pas te voir. Je lui ai dit, maman, il me manque juste un mois de loyer. Voilà pourquoi je fais ce travail. Cette dame-là, elle m'a vraiment pris, elle m'a dit, bon, tu sais quoi, aujourd'hui, tu fais rien. Tu fais juste les douches et les toilettes. Les lits, moi, je vais faire avec toi. Wow. Oui. Sœur Anna, le jour-là, c'était comme si je ne travaillais pas. Je venais, je prenais le petit, le pouf-pouf-pouf, et je nettoyais les toilettes, je chantais. Tu sentais que... J'étais apaisée. Je suis rentrée. Et au final, jusqu'à la fin de la journée, la maman, elle a pratiquement tout fait toute seule. Je suis rentrée, je me suis agenouillée, j'ai dit, Seigneur, ça veut que tu repos aux prières. Au fait, moi, j'ai dit, ma prière, Elle a été exaucée. Dieu t'a déchargée en quelque sorte en utilisant cette mère. J'ai compris au fait qu'il y a vraiment des choses que Dieu met devant nous. Oui. Nous, c'est parfois des choses que nous devons refuser oui. pour voir sa main, mais nous nous contentons de cela. Et est-ce qu'aujourd'hui, la sœur Gracie a un meilleur emploi? Tout à fait. J'ai un meilleur emploi et ça aussi c'est un autre témoignage. Alors après cet emploi de femme de chambre, j'ai arrêté et puis le Seigneur m'avait donné juste ce qu'il me fallait pour payer le loyer. J'avais trouvé un autre travail dans les champs. Ah, comme quoi la vie est une succession de possessions. De possessions. Vous voyez, il ne faut pas s'arrêter à un moment donné, il faut continuer à croire et continuer à espérer que Dieu veut vraiment nous emmener encore plus loin. Et nous veut du bien. Et nous veut du bien. En effet, Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut que nous puissions vivre, même pas forcément dans l'abondance, mais pas dans le manque.
Ça n'a jamais et ça sera jamais la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, pour terminer, est-ce qu'on peut dire que le travail que le Seigneur a pourvu pour toi à ce jour est à la hauteur de tes attentes ou en tout cas de tes espérances par rapport aux précédents emplois que tu as eus? Tout à fait. Par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, je ne suis pas directrice, pas encore. C'est possible avec Dieu. Je le crois, je dis Seigneur, je te crois. Mais ce qui est sûr, le Seigneur m'a fait du bien. Le Seigneur m'a donné un emploi là où je ne suis pas obligée de me casser la tête, je ne suis pas obligée de me casser les reins, mm-hmm. je ne suis pas obligée de rentrer pas chez moi exténuée, mm-hmm. je ne sors pas de chez moi avec la boule au ventre. Mm-hmm. Non, je sors de chez moi, je suis contente d'aller travailler, je mm-hmm. rencontre du monde, je parle, mm-hmm. Je discute, je recrute, je fais beaucoup de choses par la grâce du Seigneur. Et c'est vraiment une grande bénédiction que le Seigneur nous a donnée. Et il faut juste aller de l'avant avec Dieu. Il faut juste aller de l'avant avec Dieu. C'est par ces mots que nous mettons un terme à ce premier témoignage de l'édition spéciale de votre émission Témoignage pour toute attache. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'était la sœur Gracie avec la sœur Anadis Salah. Que Dieu vous bénisse. Shalom.